Papa, papa, s'il te plaît, peux-tu m'acheter un smartphone? Ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire avec un smartphone? Presque toutes mes amies à l'école en auto. Ça me permettra de rester en contact avec elles, de discuter et de partager mes photos avec elles sur les réseaux sociaux. En plus maintenant, depuis que nous avons fait l'école depuis la maison, notre maîtresse nous envoie des exercices et nous demande de faire des recherches sur Internet. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne te promets rien. D'accord papa, je compte sur toi. Bonjour Suleiman. Dis-moi, toi qui t'y connais dans ces histoires d'informatique et de réseaux sociaux, ma fille de 10 ans me demande un smartphone pour discuter avec ses amis et partager ses photos sur les réseaux sociaux. Que me conseilles-tu? Un smartphone, à son âge, ce n'est pas recommandé. Cependant, chaque enfant est différent. Et même s'il n'existe pas un âge minimum pour utiliser les réseaux sociaux, la plupart des réseaux sociaux demandent d'avoir au moins 13 ans pour s'inscrire. Cependant, si c'est vraiment indispensable et que tu penses qu'elle est aussi mature et responsable pour utiliser un smartphone, tu devrais discuter avec elle, lui expliquer les dangers des réseaux sociaux et fixer les règles. Ma chérie, si tu veux un smartphone, il faut qu'on établisse un contrat de confiance entre toi et moi. Tu sais, l'utilisation d'Internet peut être dangereuse quand on ne s'y connaît pas. Alors, si je te donne un smartphone, tu devras respecter les conditions suivantes. Tu ne dois pas l'utiliser quand tu es à l'école. Tu ne dois pas être tout le temps connecté. Et tu dois me montrer ce que tu fais, avec qui tu discutes, d'accord? Tu ne dois jamais prendre ou partager sur les réseaux sociaux des photos de toi-même ou des autres quand l'un de vous n'est pas habillé. Tu ne dois jamais discuter avec des inconnus, ni répondre à leurs messages. Et tu dois immédiatement signaler tout message d'un inconnu. Tu ne dois jamais partager des informations personnelles, comme ton adresse exacte, des informations concernant tes parents, tes frères et tes sœurs. Si tu es d'accord avec toutes ces conditions, je veux bien t'offrir un smartphone. Mais il faudra le mériter et me ramener une bonne note de l'école. D'accord? Oui, papa, c'est d'accord. Je vais bien travailler en classe pour mériter mon smartphone. Et quand je l'aurai, tu pourras me faire confiance. Je te montrerai tout ce que je fais dessus.